Ce qui t'est vraiment propre, Célesta, c'est que toi seule, toi si petite, tu donnes le jour à autant d'hommes de qualité et de génie que tu diffuses à travers le monde plus de gemmes, plus de lumière que beaucoup d'autres cités n'en ont vu naître. Erasme de Rotterdam, humaniste. C'est quoi un humaniste? Ah, l'humanisme. Une doctrine, une attitude philosophique, un mouvement de pensée qui met l'homme au centre du cercle et qui vise au respect de sa dignité et à son épanouissement. C'est ainsi que les académiciens définissaient ce mouvement de pensée né en Italie au XIVe siècle et dont l'esprit flotte sur Célesta depuis 500 ans. Cette symbiose apporta à cette petite cité du centre Alsace un rayonnement international. Modeste cité sans doute, mais qui a été bâtie par des géants. Car son nom est lié au géant Sleto, qui aurait fondé Célesta sous le nom originel de Schlettstadt. Les géants d'aujourd'hui, ce sont ces six pylônes de 90 à 115 mètres de haut qui défient le ciel et les orages. Six géants de métal construits dans les années 50, destiné à diffuser les émissions radiophoniques sur les ondes moyennes. Mais la modulation de fréquence a détrôné la modulation d'amplitude. Et ces géants se sont tus. Au cœur de Célesta, les géants, encore eux, s'imposent au regard. Ainsi, l'étonnant château d'eau tutoyant le cœur de la cité, haut de 50 mètres et dont le modèle se trouve à Deventer, en Hollande. Il conserve précieusement, comme un écrin, l'eau potable des Célestadiens d'aujourd'hui. Eh ben, c'est pas comme ça que je vais savoir ce que c'est qu'un humaniste, moi. Tu as trouvé un nouveau géant, mon garçon. Mais attention, celui-ci réserve quelques surprises. Serait-ce le fantôme du cordonnier que tu entends? Car ce que tu vois, c'est un atelier de cordonnerie. Insolite endroit pour exercer son métier. Mais ce n'était pas rare à l'époque. Entre le Moyen-Âge et la Révolution, les corporations étaient présentes dans de nombreuses villes en Alsace. Et parmi leurs obligations, elles devaient surveiller tout départ de feu dans la cité. C'est pourquoi certains corps de métier investissaient les points hauts, comme les églises, pour exercer leur métier et surveiller la ville.
Hildegarde de Buren, c'est bien grâce à toi que fut bâtie cette église. Et je crois que tu continues à veiller sur elle. Et je crois que c'est ton buste qu'on voit dans la crypte. Le tien ou celui d'Adélaïde, ta fille. Mais cela n'a aucune importance. Hildegarde était une mécène du XIe siècle, une femme bien mystérieuse de lignée bourguignonne. Pour se faire pardonner les crimes commis par ses fils, Hildegarde convainquit des moines de l'abbaye de Conques de rallier l'Alsace afin d'implanter à Sélestat une abbaye dont il ne reste aujourd'hui que l'église Sainte-Foy. Depuis, la présence occitane rayonne sur Sélestat. Ça te dirait un bretzel ? Ouais. Viens, je vais te montrer. L'histoire raconte qu'en 1477, un boulanger du nord de l'Alsace, menacé de mort, fut sommé par le roi de créer un pain au travers duquel le soleil brillerait trois fois. C'est en voyant sa femme prier, les bras croisés sur sa poitrine, qu'il créa le premier bretzel, emblème des boulangers d'Alsace. C'est sympa la légende. Pour parler d'humanisme, il faut prendre un peu de hauteur, s'élever spirituellement, mais aussi physiquement. Sélestat est l'un des berceaux de cette école de pensée basée sur les grands courants philosophiques de l'Antiquité et prônant une éthique centrée sur la dignité de l'homme. L'Alsace, région du Saint-Empire germanique, était à l'écart de la guerre de Cent Ans qui voyait s'affronter au XIVe siècle les dynasties des Plantagenets à celles des Valois et par elles les royaumes d'Angleterre et de France. Qui plus est, en son sein, il existait une alliance très rare dans l'histoire, appelée la Décapole, favorisant l'entraide financière et militaire entre 10 grandes villes de la région. Le climat était donc des plus favorables à Sélestat pour développer les courants culturels et artistiques, y amenant beaucoup de savants et de lettrés. Montaigne disait « Je ne veux pas que l'on emprisonne ce garçon dans une école. Je ne veux pas qu'on l'abandonne à l'humeur mélancolique d'un furieux maître d'école. Les jeux et les exercices seront une bonne partie de l'étude. Ce n'est pas une âme et un corps que l'on dresse, c'est un homme. » Et qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, j'ai cru entendre une voix qui m'appelait. Sûrement que j'ai rêvé. Bon, ben, on continue. Okay. Le grand Érasme disait dans ses colloques, alors qu'en ce moment la campagne entière reverdit et prend un air riant, je m'étonne fort que des gens trouvent de l'attrait aux villes enfumées. Sélestat est une ville à la campagne, ou est-ce la campagne à la ville ? L'Illeval tutoie les premières maisons de la cité. Ce milieu exceptionnel fait partie des 5 plus grandes réserves naturelles de France. Le terme ride provient du vieil alémanique rite, qui signifie roseau. On y trouve plus de 160 espèces de plantes, un éden pour la flore et pour la faune. Sélestat, rencontre innée entre l'homme et la nature, sans doute Beatus Rhenanus aimait-il aussi cet environnement sauvage aux portes de sa ville.
Bonjour. Pour arriver à trouver l'origine de ton mystérieux message, il te faut une clé. Et cette clé a pour nom Beatus Renanus. Philosophie. Beatus Renanus. Beatus Renanus. Quarante-huit ans avant que Montaigne ne voie le jour, naît à Célestat un personnage qui marquera éternellement la ville. Beatus Renanus. Dès son plus jeune âge, il se constitue une bibliothèque. Rien qu'à Paris, il acquiert 188 volumes, dont 20 traités d'Aristote. À l'âge de 22 ans, il en possédait 253, considérable pour l'époque. Tel un collectionneur pointilleux, il marque parfois certains de ses ouvrages d'un texte explicite. Sum Beati Renani nec muto dominum. J'appartiens à Beatus Renanus et je ne change pas de maître. Et Beatus écrit beaucoup. D'ailleurs, ses premiers devoirs d'écolier sont précieusement gardés à la bibliothèque humaniste, de même que sa correspondance très prolifique. En tout, ce sont 423 volumes, 1287 œuvres, 41 manuscrits et 1686 documents qui ont été légués à la ville de Célestat. Un véritable trésor, gardé précieusement depuis 1841 dans une bibliothèque de la cité, devenue la bibliothèque humaniste, inscrite au registre Mémoire du monde de l'UNESCO depuis 2011. Beatus Renanus, c'est toi qui vas me montrer la voie. Bon, il est temps que je retourne à la civilisation, là. L'histoire est décidément bien ancrée à Célestat. Le siège d'archéologie Alsace ne pouvait trouver une plus belle place entre Ried et Ville. Ce service assure une chaîne opératoire archéologique complète, des recherches de terrain jusqu'à la restauration et la conservation des objets et des vestiges. Et comme pour veiller sur la ville, au sommet d'une pyramide parfaite se dresse le château du Haut-Königsbourg. Oui. Eh oui, la grande histoire est présente partout, dans et autour de Célestat. Le 21e siècle marquera-t-il les futures générations comme les siècles précédents? Pourquoi pas? Les humanistes aimaient la peinture. Battista Alberti, en parlant de cet art, citait Cicéron. Les peintres voient dans les ombres et dans le relief bien des choses que nous n'apercevons pas. Célestat mélange les genres. Et chacun, de tout âge, y trouve son bonheur. Le 21e siècle est en ébullition, le temps change de rythme et, héritage fidèle, l'art peut prendre toutes les formes, même végétales. Solitude. Désir.
Sarkis, l'artiste qui a créé cette œuvre étrange baptisée Le Point de Rencontre, Le Rêve, a fixé contre le mur d'enceinte des anciennes fortifications de Sélestat 310 plaques de rue. Au saut, je préfère les fous. 310, comme le nombre de rues que comptait la cité en 1993. Toutes comportent un mot ou une bribe de phrase invitant à la rêverie. Puisque depuis longtemps, je t'aime. À la musique, la danse, la fête, les tanzmatten au lieu de la culture en Alsace. Chaque époque vit le tempo de ses musiques, et aujourd'hui comme au temps de la Renaissance. Les humanistes célébraient la musique, fidèles à la pensée antique, ils aimaient à souligner que nulle part le dieu de la lyre n'a été plus honoré que chez les Grecs. Et aucun peuple n'a mieux reconnu le rôle social de la musique. La Tourneuve, drôle de nom pour un vestige du XIIIe siècle. Décidément, Sélestat est intemporel et flirte entre passé, présent et avenir. Mais tu es sur le bon chemin. Tu es dans les pas de... Beatus Renanus. 1521, une autre date importante. Il s'agit d'une allusion à la plus ancienne mention écrite faisant référence à la tradition de l'arbre de Noël. On dit que les gardes forestiers de la ville étaient payés pour aller surveiller, quelques jours avant Noël, les arbres dans la forêt. Sélestat est donc, en quelque sorte, le berceau de l'arbre de Noël. De la magie de Noël à la magie noire, il n'y a qu'un pas. La tour des sorcières, un autre vestige du XIIIe siècle. L'histoire raconte qu'on y enfermait les femmes accusées de sorcellerie. Prends garde, une légende peu réjouissante est associée à cet étroit passage du quai des Tanneurs. Il aurait été le repère d'une créature légendaire, le Stottir, qui aurait hanté ce lieu, lui conférant ainsi une réputation d'insécurité. Personne ne s'appelle personne, sauf dans un vieux western de Sergio Leone. En fait, il s'agit d'une mauvaise traduction de l'allemand. À l'origine, c'était la rue Niemann, du nom de la famille qui habitait ici. Sélestat, décidément, nous surprendra toujours. Erasme de Rotterdam. Attention, prends-en grand soin, mon garçon. Je crois que tu as trouvé la clé du mystère. L'histoire et ses secrets, ses aventures, ses drames aussi, sa grandeur. Le parchemin que tu as trouvé t'a mis sur le chemin des initiés.
Et tu as le droit d'entrer maintenant tout seul dans la grande bibliothèque et d'y découvrir le trésor. Bon voyage au pays du livre et du savoir. Génial.